Hamilton. J'ai trop rodé dans les Tobacco Road. Y'a plus que les caisses qui me résonnent. Et quand je me cache, je voyage toujours en France. Des champs de coton dans ma mémoire. Trois notes de blues, c'est un bonhomme au noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la... Enfin, merci. Vous faisiez peut-être là, en vacances, on profite. Ça fait chier d'aller à chaque fois chez mamie. Dis donc, c'est ton orthophoniste qui t'apprend à parler comme ça, toi? Non mais sérieux, il a raison. Ça fait chier d'aller encore là-bas. Où on fait jamais des trucs cool. Morgan, son père, il les emmène en Thaïlande. Eh bah très bien, le tien fait du mieux qu'il peut, voilà. Et tu vas où? J'ai programmé le GPS pour qu'on passe par les petits chemins de campagne. Ça va nous faire voir du paysage. Puis surtout, ça évite les péages. C'est pas vrai. Bon, klaxonne-le, là, on va pas y passer la nuit non plus. Non, ça va être pire avec ce genre de mec, c'est bon. Excusez-moi, monsieur. C'est possible d'avancer un peu ce qu'on a avec des enfants, là? Juste un petit geste? Qu'est-ce que je t'avais dit? Insiste, écoute, attends, il est malade. Oui, mais je... Insiste, Paul, quand même. Pour qui il se prend, lui? Allez! Il y a un problème? Non, mais c'est ma femme, là. Pour le loto. Mais ça c'est avant, je joue plus du tout, tu vois. Bah jette-les alors. Tiens, une poubelle cette bagnole. Tiens, mets ça dans le sac en plastique. Tiens, Maya. On est F-A-U-C-H-E, je te rappelle. C'est bon, il est peut-être bègue, mais il est pas débile. Elle plaisante, mon cœur. T'as reparlé à Jacques pour avoir plus d'heures? Ah, évidemment. Ouais. Ça va le faire, fais-moi confiance, ma chérie. Oui, t'as raison, ça m'a bien réussi. Juste en fait, je te jure que c'est... Attends, s'il te plaît, Maya, je parle avec papa, là. Non, mais sérieux, un ticket, on a tous les numéros. Maya. Non, mais sérieux, regarde. Mais, et attends, t'es sûr que c'est la bonne date? Oui, tirage du 18 mai. T'as vu? C'est la bonne date, je mens pas. T'avais pas vérifié les résultats? J'en sais rien, moi, j'étais sur les stocks de la boîte, tu... Oh putain! Quoi? C'est combien? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? 5 millions. Quoi? Quoi? 5 millions. 5 millions? Non, c'est pas vrai! 5 millions! 5 millions! Qu'est-ce que je vous avais dit, les enfants? La vie, parfois, elle est injuste, elle est dure! Mais quand tu t'accroches, quand t'es courageux, honnête, c'est vrai. Eh ben, le ciel, il te récompense. Et là, on va avoir la vie qu'on mérite avec 5 millions! Je t'aime, Paul! Mon amour, je t'aime d'amour. On va plus chez mamie. Mais on s'en branle de mamie. Mais t'avais dit qu'elle allait bientôt mourir. Eh ben, on lui achètera un joli petit cercueil et puis c'est tout. On pourra aller en Thaïlande. Oh, oui. C'est pour les ploucs, la Thaïlande. On va aller aux Maldives, en classe affaires. Tu peux appeler le père de Morgane pour lui dire. Attends. Vous êtes génial. Y a pas une date limite? C'est-à-dire? Mais il doit y avoir une date limite pour réclamer la cagnotte. 60 jours. On est combien? On est le 17 juillet. Là. 17 juillet, 60 jours, 18 mai. 17 juillet. 60 jours, 17 juillet, regarde. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Oh putain. C'est aujourd'hui. Appelle, il doit y avoir un numéro. Attends. Tiens. Voilà.
Centrale des Jeux, bonjour. Ah oui, 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 on a le ticket gagnant. D'accord, c'est pour quel tirage? 18 mai. Le super jackpot de l'ascension. Allô? Effectivement, le gagnant ne s'est pas encore déclaré. Bah oui, évidemment, bah, c'est nous, c'est nous. Vous pouvez m'indiquer le code à 9 chiffres en bas à gauche? 5 millions, non. Oui, le code. Là, 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 le 12, le 404, le 22, le 41. Au nom de la centrale des jeux, je vous félicite. Par contre, vous n'avez que jusqu'à aujourd'hui pour vous signaler comme vainqueur. Oui, bah quoi? C'est ce qu'on est en train de faire, là. On le fait, là. Non, il faut aller dans un de nos centres. Avec le ticket, bien sûr. Oh, merde. Et quoi, y a un centre à Marseille? Absolument. Au 15 rue Edgar Bichat. On arrive, là. Bien sûr, mais dépêchez-vous, hein, parce que ça ferme à 19h. Oui, oui, bah dites-leur qu'on arrive. On risque d'être un petit peu juste, seulement, mais... Je suis désolé, mais à 19h, cela fera 60 jours depuis le tirage et votre gain sera automatiquement remis en jeu pour la prochaine cagnotte. 15 rue Edgar Bichat, arrivée 19h01. Oh putain, Paul. Allez, bouge ton cul là! Allez! Attends, t'as de l'argent? Mais j'ai rien! T'as de l'argent? Mais j'ai même pas d'argent de poche! Donne-moi ton téléphone. Quoi? Donne-moi ton téléphone! Allez, vas-y, chérie. Non, il est pour non, je m'en fous. Il est pour je m'en fous. Il est super, regarde, il a tout. Je te montre mes seins. Formule 1, moi, ok? Là, 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 c'est ça, là! Rejoignez l'itinéraire. Rejoignez l'itinéraire. Rejoignez l'itinéraire. Arrivée 19h05. Papa, 5 millions! 5 millions! Vas-y, c'est que personne soit blessé. Ça va les enfants? Ça va. Non, c'est pas tout ce qui compte. Bah c'est... Les détours pour économiser 2€ au péage. Les vacances chez ta mère parce qu'on n'a pas les moyens d'aller ailleurs, parce qu'on n'a pas le choix, parce que sinon on va nulle part, tu sais, ça compte ça aussi. Hein. Mais pour une fois qu'on avait de la chance, Paul. De la vraie chance. 5 millions d'euros, bordel! De quoi avoir enfin assez? Assez pour arrêter de compter pour tout le temps. Assez pour plus avoir besoin de toujours tout prendre d'occasion, en promotion, en location, et d'arrêter de se coucher tous les soirs avec la peur au bide, en se demandant si on perd notre taf, comment on fera pour payer notre loyer. Et si on finira pas à la rue avec les gosses.